Voilà, là c'est officiel, le voisin va me prendre pour un fou. Comment ça va les zingues? Bah c'est l'Austral. Je tourne cet épisode dans la foulée de l'épisode 6 et de l'épisode 5. Donc s'il y en a qui se demandent pourquoi je parle comme ça, vous aurez la réponse dans l'épisode 5 et 6. Hein, voilà. Comme je vous expliquais, je suis en plein apéro. Donc l'un dans l'autre. Bah c'est le l'apéro gameplay. Voilà. C'est le gameplay apéro. C'est je prends l'apéro et je fais de la merde sur un jeu. Voilà. Ça c'est un nouveau concept sur YouTube. Ouais, bah faut bien inventer pour faire. Tu sais, pour arrondir ses fins de mois, il faut bien trouver des choses. Il faut bien être ingénieux et astucieux. Ça se dit ça? Oh, on s'en fout. Allez. Bang, putain merde. Putain, non, vas-y, je commence la mission, j'ai déjà la moitié de ma vie en moins. Ah, Ah, c'est... en fait. J'ai mis en pause, j'étais en pleine chute. Bah attendez, je vais faire une mission à la con là parce que faut que je retrouve de la vie. Parce qu'en fait la mission là-bas, le point blanc qui est là-bas, c'est une mission du scénario. Elle est assez compliquée. Compliquée, ouais, compliquée, j'ai dit compliquée, ouais. Et du coup, il me faut full life. Il faut que je la fasse full life. Alors je vais Je peux vous gagner un peu aider? de vie avant. Spider-Man, vous voilà enfin. Il faut conduire cet homme à l'hôpital. Et vite! Ah, j'ai horreur de ta voix. Ta voix, elle me... Non, ne parle pas, ne parle Oh, plus. je Ta voix souffre. m'insupporte. Eh bien, je l'y emmène tout de suite. Ils ont abusé. Oh, je souffre, aidez-moi. Calmez-vous, on va Non, mais s'occuper. calme-toi. Alors bien évidemment, je ne peux pas courir sur les murs en compagnie de ce sac à merde. Donc je vais être obligé de faire un détour. Hop là, voilà. Tac, 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 tac. Et voilà. Bonne chose de faite. Et voilà, ça va aller mieux. Mon héros. Alors attendez, parce que voilà, c'était le but du jeu, c'était de récupérer de la vie. Allez hop, tac, je sauvegarde. Ouais, tout à l'heure j'ai mis en pause entre des épisodes, j'ai mis en pause en pleine chute. Forcément, quand tu reprends, balaboum, ça t'as des surprises quelque part. T'as des surprises. Hop, oh putain, j'ai une vitesse de balancement, les mecs qui commencent à être craqués là. Balancement niveau 5. Et du coup, je sais même pas si je vais pouvoir vous montrer la vitesse de balancement niveau 8, qui est la maximale. Pourquoi? Bah parce que on la débloque qu'une fois le scénario terminé. En fait, quand vous avez fini le scénario du jeu, il y a un tout dernier chapitre qui s'ouvre. Et on vous demande d'acquérir je sais plus combien de points, genre c'est 50 000 points de héros, enfin c'est un truc de ouf, tu sais. Et en fait, voilà, t'as plus que ça à faire, t'as plus qu'à acquérir 50 000 points de héros en plus que ceux que tu n'as déjà. Et donc du coup, c'est extrêmement long à faire. Bon, moi j'ai déjà fait, mais parce que j'étais fada de ce jeu quand il est sorti. Mais là, je sais pas si dans mon playthrough je vais avoir la patience de récupérer 50 000 points de héros en plus juste pour acheter la vitesse d'amélioration maximum qui est la niveau 8. C'est dommage hein, parce que je vous l'aurais bien montré hein, parce que les craqués, hein, bah, c'est niveau 8, t'imagines? Rien que là, je vais vous montrer. Rien que là, je suis niveau 5. Hein. Voilà. Donc, imagine la niveau 8. Et là encore, je fais de la merde. Hein. Vous voyez, c'est ça, je vous expliquais les combos, les tricks aériens. Ça vous permet vraiment de. Hop, de vous remettre vraiment dans un. Enfin, dis comme ça, tu vas pas comprendre ce que je vais te dire. Dis comme ça, tu peux pas comprendre ce que je te dis. Mais les tricks aériens, ça vous permet vraiment de vous redresser dans votre course, d'entreprendre un virage un peu trop serré à la base. Ça vous permet vraiment de. Au niveau. Eh ouais, au niveau du gameplay, ça change tout. Ouais, mais bon, tu peux pas comprendre ce que je te dis là, parce que tu joues pas, donc forcément, l'un dans l'autre, tu pourras jamais savoir quoi. Ça va faire mal aussi. Et ça va qu'on prend pas de dégâts hein, quand on se prend les bâtiments dans la gueule dans ce genre de jeu. Parce que là, je peux te dire que ça serait juste complètement injouable. Hein. Bon, allez, bref, toujours est-il qu'il faut que j'aille à la banque retrouver Tante May. Et c'est une mission que vous avez vue dans Spider-Man 2. De toute manière, quoi qu'il arrive. Ça me donne envie de regarder les films, moi, quelque part. Ça me donne envie de me remettre les films. Ça fait un petit bout de temps que je les ai pas vus en plus. J'aime pas cette mission. Je m'arrache les cheveux à chaque fois. Tante May?
Je suis encore en retard. Peter, ne t'en fais pas. J'étais juste un peu inquiète pour toi. C'est gentil de ta part de m'aider. Pas de problème, tante May. Allons-y. Ils sont motivés, les gens, dans cette ville. Bien, quant à votre prêt, madame Parker... Et je te jure, il y a un banquier qui me parle comme ça, je prends pas un prêt chez lui. Hein. Mesdames et messieurs, je viens faire un retrait. Veuillez rester calme sans bouger, de façon à éviter tout bas de sang inutile. Peter, où est-ce que tu vas? C'est un sacré héros. Arrête-toi de... Bah ouais, connard. Je suis Spider-Man. J'ai horreur de cette séquence parce que vous avez Octavius sur les bras et il faut, voilà, il faut esquiver toutes ces attaques de lianes, je sais pas comment on peut appeler ça, tout en se débarrassant de ces sbires qui sont eux-mêmes quasi-burs. Voilà, lui m'a fait des dégâts en plus. Ah, et voilà, je m'en suis pris une dans la gueule. C'est pas évident, hein. Et je crois pas que je lui fasse de dégâts, lui. Si ? Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Je sais plus s'il faut que j'attaque lui ou s'il faut que j'attaque juste ses sbires, en fait. Très sincèrement. Bon, là, il a une barre de vie, donc ça veut dire qu'il faut que l'un dans l'autre. Je m'occupe de ce connard. Ah putain, non, 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 non. Bon, bah, je vais crever, c'est officiel. En fait, il faut que. Putain, en plus, je viens de picoler une bouteille de vin, j'ai envie de dégueuler. Ah, c'est peut-être pas le bon jour pour jouer à Spider-Man. Alors là, il faut savoir, les mecs, que je suis en train de m'exciter comme un ouf sur la manette. Parce que pour ne pas me faire choper par ce connard, il faut que je spam la, à la fois la touche de coup et la touche d'esquive. Hop, là j'ai loupé. Allez, hop, c'est bon, j'ai réussi à atteindre le premier checkpoint. Ça fait plaisir. Je n'ai pas de temps à perdre avec toi. Tu mets cette vieille femme en danger en me provoquant. C'est pas évident, hein. Non. Ah. Depuis quand elle a des mecs comme ça qui l'accompagnent? Bon, du coup, j'ai pas régène de vie, en fait. Là est tout le problème. Et alors oui, ils font énormément de dégâts parce qu'ils balancent carrément des grenades, les mecs. Vous voyez, il y en a une qui m'a explosé dans les pieds là. Je l'ai pas vu arriver, cette pute. Donc là, je sais pas comment fonctionnent les checkpoints dans ce jeu. Je sais pas si c'est à la manière d'un GTA, c'est-à-dire s'il y a des checkpoints au sein de la mission ou si lorsqu'on perd, on recommence la mission dans son intégralité. Toujours est-il qu'il faut que je me... Voilà, il balance des grenades, ce bâtard. Et en plus, c'est des sacs à PV, les mecs. Ça va, je gère. Ah, oh, putain de bâtard de merde, il m'a foutu un coup de pute. Tu pars en vie, moi je préfère le zag. Moi je préfère le zag. Tiens-toi tranquille et ne t'arrivera rien. Écoutez, je m'en suis plutôt bien sorti pour l'instant. Alors là, par contre, il faut que je me dépêche. Pas comme ça, Austral. Pas comme ça qu'on se dépêche. Voilà. Oula, un peu plus je me prenais les... Des... Ah bah voilà. Ah non, putain, plus je suis mort et... Oh putain. Oh putain, non. Oh putain, me dis pas que je recommence la mission dans son intégralité, j'étais à la fin. Ah, j'ai eu peur. C'est un système à la GTA. Bah encore heureux parce que putain... Bon bah j'ai essayé de pas trop le... Alors le meilleur moyen c'est carrément de s'accrocher à lui, comme ça au moins vous êtes sûr qu'il va pas vous semer. Le problème c'est que c'est plus... Hop. Ah, faut vraiment pas... Ah oui, ah oui, faut vraiment lui coller au cul, hein. Putain, ah oui. Ah ouais, t'as pas le droit de... Non, 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 faut... Même si tu l'as dans ton champ de vision, c'est mort. Faut vraiment lui coller au cul à ce connard. Sans trop non plus, parce que bon là c'est un coup à se faire décapiter quand même. J'arrive pas à m'attacher à ce connard. Putain, mais il blinde son hélico, c'est un Mirage 2000 qu'il a, le mec, en fait. Ah, j'ai eu peur, j'ai cru que j'avais fail encore une nouvelle fois.
Ouais. J'espère vraiment qu'il tient plus à ta vie qu'il tenait à celle de Rosie. Alors le mec me tient responsable, me tient pour responsable de la mort de sa femme. Je sais pas si vous avez vu le film, mais je n'y suis pour rien responsable de la mort de sa femme. J'en ai rien à foutre moi en fait. C'est un truc. Ah putain, je l'ai zappé la vieille. C'est bon. Le mec il part sans la vieille. Suspense. Ça va aller. Incroyable. C'est tout ce que ça te fait. Normalement la vieille, elle aurait dû faire 3 syncopes. 3 syncopes, 4 arrêts cardiaques et 2 AVC. Mais c'est pas le cas, elle est là au moins. J'avais entendu incroyable, parler de incroyable. Mais jusque là, j'avais du mal à y croire. Comment t'as pu entendre parler des attaques d'Octavius alors que c'est la première attaque qu'il fait réellement dans la ville? Octavius, la première attaque, c'est juste quand aussi. Il désingue. Ça ne devrait pas vraiment le docteur Connors. Ouais, donc voilà, donc ça c'est pour ceux qui n'ont pas vu le film. En même temps, des gens qui n'ont pas vu Spider-Man 2, ça n'existe pas sur cette planète Terre. Mais je préfère le préciser parce que dans le jeu, c'est pas très clair en fait. Ça n'est même pas du tout dans le jeu. Bah, les mecs qui jouent au jeu Spider-Man 2, les gens qui n'ont pas vu le film peuvent jouer au jeu Spider-Man 2. Ils finiront le jeu, ils se seront même pas fait spoiler une seule fois. Parce que très sincèrement, dans le jeu, c'est vraiment raconté à l'arrache, hein, là va vite. Donc en très gros, le docteur machin... Ah, dit-il, le mec. Ouais, c'est raconté à l'arrache, je vais vous raconter ça mieux que ça. Donc, le docteur machin... C'est le gars. Comment il s'appelle? Le docteur Octavius, en très gros, me prend pour responsable de la mort de sa femme, parce que quand il a fait son expérience, sa conférence de presse, là, qu'il a fait une espèce d'expérience complètement chelou avec une espèce de noyau atomique qu'allait exploser dans toute la ville, Spider-Man est intervenu pour mettre un terme à tout ça, pour éviter qu'il y ait trop de pertes civiles, et le truc c'est que sa femme est morte dans la bataille en fait, voilà, parce qu'il y a eu des explosions, il y a un pan du mur qui s'est écroulé ou je sais pas quoi, et du coup sa femme s'en est prise sur la gueule et elle est morte, et l'autre il a cru que Spider-Man était responsable de la mort de la belle Rosie, de la belle et douce Rosie, voilà, mais ce n'est pas le cas. C'est juste que le mec, il fait chier le monde, et puis voilà, quoi. Donc voilà, maintenant, il en veut à Spider-Man, le mec, tu sais pas pourquoi. Mais bon. Par contre, très sincèrement, j'aurais été Sam Raimi, j'aurais pas fait Docteur Octopus, moi, comme méchant. Autant Spider-Man 2 est mon Spider-Man préféré, en termes de film. Autant le docteur Octopus, je trouve que c'est un méchant, mais qui est craignos, sa mort quoi. Autant moi j'aurais fait le bouffon vert, parce que bon, t'es obligé, quand tu fais Spider-Man, t'es obligé de faire le bouffon vert, tu peux pas faire autrement. Autant j'aurais fait le bouffon vert, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Autant j'aurais peut-être fait l'homme sable, parce qu'avec l'homme sable, t'as des possibilités, il y a quelque chose à faire. Le lézard, c'est sûr qu'avec moi, il y passait. Mais putain, le docteur Octopus, sans déconner. Vous avez déjà vu là, le dessin animé des années 90 là? Enfin, du début des années. Enfin, milieu-fin des années 90. Le docteur Octopus, ça a toujours été un ennemi de seconde zone. Ça a toujours été un ennemi ringard. Un mec avec 4 bras dans le dos, quoi. Je veux dire, c'est rien de bien mirobolant. T'avais beaucoup plus d'ennemis, beaucoup plus intéressants. Kraven le chasseur. Moi, j'aurais franchement aimé un film avec Kraven le chasseur en tant qu'ennemi. Et j'aurais. Imagine New York truffé de pièges. Spider-Man ne peut pas se poser sans tomber sur un putain de piège qui a été posé par Kraven le chasseur. Parce que c'est un chasseur le mec, donc forcément il pose des pièges. Voilà. Là il y aurait eu quelque chose à faire. Là. Kraven quoi. Non, Docteur Octopus quoi, sans déconner. C'est de la merde comme ennemi. C'est de la merde. Bon, ça n'empêche pas que Spider-Man 2 est mon Spider-Man préféré, mais c'est plus sur le plan émotionnel, j'ai envie de dire, que c'est mon Spider-Man préféré. Parce que je trouve que les personnages sont vraiment bien traités, la relation entre Mary Jane et Peter est vraiment bien foutue, et j'ai adoré le passage moi, où Peter décide de rendre les armes et d'abandonner son costume de Spider-Man. Ça d'ailleurs, ça, c'est tiré de la BD, hein. C'est tiré de la BD No More Spider-Man, voilà. Où Peter décide de reprendre en main sa vie et d'abandonner donc
l'avis de son homologue masqué et donc d'abandonner pour le coup le costume de Spider-Man et ses responsabilités de super-héros, malgré les dires, malgré les directives de son cher oncle Ben disparu dans d'atroces souffrances. Et il se trouve que tout ce passage-là dans Spider-Man 2 est juste complètement jouissif. Quand Spider-Man, quand Peter décide de rendre le costume et de reprendre sa vie comme elle était avant, c'est juste complètement jouissif, quoi. Franchement. Et là où c'est énorme, c'est quand... Bon, je vais spoil, mais bon, c'est un film qui date de 2004, donc c'est pas vraiment du spoil. Quelque part, ça a 10 ans. Déjà 10 ans, ouais, c'est énorme, ouais. C'est vrai que c'est énorme. Et le passage où le docteur Octopus vient interrompre le rendez-vous romantique entre Mary Jane et Peter. Il enlève Mary Jane et il se barre avec la nana. Et t'as Peter, là, qui comprend. Il comprend qu'il faut qu'il reprenne le costume, qu'il faut qu'il reprenne les armes. La vie de sa douce en dépend. Ce passage-là, il est magique. La musique et tout, tout est magique dans ce passage-là. Voilà. C'est vraiment le mec qui prend conscience que il est Spider-Man et que le monde a besoin de lui. Et ça, c'est complètement épique. Voilà. Bref, sur ce, que dois-je faire ? 2150 sur 4000. Ok, il faut que je récupère des points d'héros. Bah écoutez, ellipse, je récupère les points d'héros. Re les mecs, bon, j'ai un petit peu avancé dans ma... dans ma quête de points d'héros. Il m'en reste combien ? 325 315 pardon. On va les faire ensemble et comme ça ça me permettra de vous montrer les améliorations de combat que j'ai apporté à mon perso. Pour ça il faudrait que les connards se manifestent, mais là ça a pas l'air d'être le cas. Il y en a un là-bas. Ok, c'est là-bas derrière. Hop, juste ici. Tac. Bien le bonjour, mademoiselle. Que vous fallait-il ? Imagine le mec qui parle comme ça, tu sais. Tisseur, il faut arrêter ces voleurs. Ils braquent une voiture blindée. Ah tiens, ça m'aurait étonné. Laissez-nous. Silence, toi. Ah là, je vais vous montrer donc les améliorations. C'est où ? C'est là-bas. J'ai confondu avec le point violet. Bon, là, je fais de la merde, ça va pas du tout. Voilà, tac, tac, tac. Attention ! Alors, donc j'ai normalement le grappin. Merde. Alors, le grappin attaque marteau multiple. Comment on fait déjà ? Faut que je m'en souvienne. Hein. Ça, c'est loin. C'est des vieux souvenirs. Il y a ça, mais ça, c'est ce que je devais montrer. Oh, pas de bol ! Encore des embouteillages. Alors, je peux délivrer les deux flics. Non mais vas-y, mais foutez-moi là. Je peux délivrer les deux flics. Ah oui, il y a ça aussi. Attendez. Bon, je vais pas y arriver. Voilà. Ça, c'est complètement pété du slip. Et hop, un nouveau combo aérien qui fait plaisir. Et ta-da-ta-da. Fuck. Fuck, je pensais qu'il allait tourner. Putain, je vais pas y arriver. Ah, je fais de la merde, ça me casse les burnes. Tout le temps quand je me filme, de toute façon, je fais de la merde. Voilà. Ça. Et putain, comment on fait déjà le grappin C'est pas ça. Oh bah ça sera mon cobaye, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi. C'est pas ça non plus. Putain. Je voulais vous montrer l'amélioration que j'avais acheté là, mais je me rappelle plus du tout. C'était contre marteau toile. Après une esquive à gauche, appuyez sur Y pour que ça contre marteau toile. Il y en a pas mal, un truc à... Vous pouvez vous amuser, voilà, à débloquer un maximum de combos et à tous les essayer.
Le truc, c'est que Spider-Man 2, il faut savoir que c'est un jeu qui va pas vous mettre dans des situations qui nécessitent forcément l'utilisation de tel ou tel combo. C'est pour ça que moi je me contente en général juste de bourriner sur la touche d'attaque et puis c'est tout quoi. Je veux dire, tu peux finir le jeu comme ça, donc pourquoi se priver, hein. Après c'est vrai que pour le fun tu peux voilà débloquer un maximum d'améliorations et varier ton système de combat. C'est ce que j'essaye de faire, mais bon là j'ai une bouteille de vin dans la gueule, donc forcément c'est pas forcément évident à se rappeler des touches. En plus ça fait 10 ans que j'ai pas joué à ce putain de jeu, donc t'as la marteau pilon, c'est ça? Non, c'est pas ça. Par contre je l'ai celui-là. Tiens, je vais vous montrer ça du coup, à défaut de pouvoir vous montrer l'autre. Reviens là ma grande. Le marteau pilon, c'est juste le truc le plus meurtrier que t'as dans le jeu. Vous êtes prêts les mecs? Vous êtes prêts? C'est parti. Hop. Et bang! Traumatisme crânien de première zone. Je m'emmerde. Retrouve le sac d'argent. Tac, merci pour les points et je devrais en avoir assez. Ah par contre je vais prendre la vie. Hop. Et là je vais aller récupérer le ballon de la gamine. Ça sera toujours des points de héros en plus à récupérer. Je sais pas où il est son ballon. Des événements de choc. Oh yeah, ça y est, je me souviens de ce que c'est. Je me souviens de la mission qu'on va me demander de faire. On est encore ensemble pendant 10 bonnes minutes, chers amis. Bah écoutez, c'est parfait. J'aurai le temps de faire cette mission comme ça. Je vais aller récupérer le ballon de la gamine là parce qu'elle commence à me saouler. Il est où? Il est où son ballon de merde? Il est là. Faut juste que je dose. Ah, j'ai pas assez dosé. J'ai pas géré le truc. Et voilà. Hop. Ouais, on peut amortir sa chute sur les bâtiments, c'est complètement la classe. Ne le lâche pas surtout. Quand vous tombez de haut comme ça, vous pouvez amortir la chute comme ça sur les bâtiments et ça c'est la classe. Bref, toujours est-il que je vais sauvegarder et je vais aller faire la mission en cours là. La mission du scénario, j'ai envie de pisser qui est quand même pas mal. Bah écoutez, je vais pisser puis je reviens après. Tac. Heureux. Donc voilà, et c'est parti pour la mission du Joker. Ouais, j'ai spoilé, mais bon, l'un dans l'autre. Le spoil était compris dans le titre, vous allez me dire, donc bon, on s'en fout quoi. Ah putain de taras, ça me fait chier quand. Ça, c'est un truc, ça m'énerve. Bah quand tu te casses la gueule comme ça misérablement, tu sais, ça te freine dans ta course quoi, ça te nique ton plaisir quoi. Tac. Oh cette vitesse de déplacement, putain, je t'avais dit de courir, enculé. Ah c'est Spider-Man, c'est pas un jeu, tu peux y jouer bourré en fait, c'est quelque part faut non, bourré c'est pas bon quoi, c'est pas bon, c'est comme j'étais à bourré. Tiens, j'ai essayé tout à l'heure, je peux te dire que pas, c'est pas évident, hein. pas évident. Bah faut conduire donc l'un dans l'autre à partir de là tout est dit, hein. Qu'est-ce qu'il faut que je branle là? Ah oui, ok, ouais, faut que j'aille chez Peter. Ok, la musique qui débarque, tu sais. Tac, ça fait plaisir, c'est quand même 250 points, c'est pas de la merde. Ah bah alors, faut que j'aille chez Peter Parker dans son appartement pourrave avec les espèces de... Putain, je vais pas y arriver. C'est bon, tac. Voilà, donc c'est un appartement qui est bien représenté par rapport au film, hein, qui est bien reproduit, on va dire. C'est quand même bien foutu, hein. C'est un appart de merde, hein, mais je te parle par rapport au film. Parker, vite, je me fous de ce que vous faites. J'ai besoin d'un photographe pour la réception de mon fils. Oh, c'est déjà commencé. J'ai intérêt à faire vite si je veux pas me faire virer. Comme d'hab. Non, de toute façon, c'est...
Pendant tout, dans tout Spider-Man 2 et dans tout le jeu Spider-Man 2, c'est ça de toute façon. Donc l'un dans l'autre, on n'est plus surpris. On te demande de faire la même chose à chaque fois, donc. Ah putain, ça me gaffe ça quand je me casse la gueule comme ça, putain. Non mais ça c'est, non mais ça frustre. Parce que t'es en plein balancement, que tu sais, t'es content de ce que tu fais et tout, c'est propre et tout, tu vois. Et d'un seul coup, de la merde quoi, de la merde. Donc ouais, ça frustre complètement, ouais. Tac. Et c'est marrant parce que dans le film, la réception se passe exactement dans le même bâtiment. Je vous invite à regarder Spider-Man 2, mais c'est exactement le même bâtiment dans lequel se passe la réception du fils Jameson. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous présenter mademoiselle Mary Jane Watson. Mary Jane a accepté d'être ma femme et je souhaitais partager notre bonheur avec vous tous. Ces mots, il a exactement la même voix que Harry. Eh ouais, il a mis un but sur la lune. Il ne lui faut pas grand-chose, n'est-ce pas? Tu devrais choisir quelqu'un un peu plus à ta hauteur. Il manque plus que ça. Les conseils d'une voleuse. T'es encore fâché à cause de la statue? Je te signale que je l'ai rendue aux flics. Je faisais ça pour te titiller. T'étais trop mignon quand tu essayais de savoir ce qui s'était passé. Enfin bon, j'avais juste besoin de savoir pourquoi tu t'attaches à cette fille si normale. Ces gens sont ennuyeux. Je suis à moitié normale. Enfin, ce qu'il paraît. Quoi? Non mais franchement, tu préfères rester un... pauvre humain plutôt qu'une superstar? Laisse tomber. En fait, j'avais des trucs à te dire sur Shocker, mais comme tu fais ta mauvaise tête... Shocker? Qu'est-ce que tu sais? Oh, simplement qu'il vient de s'évader de prison et qu'il est de retour en ville. J'avais l'intention de te montrer où il se cache, mais... Montre-moi. Je préfère ça. Suis-moi. Tu verras, ça va te faire le plus grand bien de lui botter les fesses. Ouais, t'as sans doute raison. En route. Ok, bah écoutez, je m'en pose et on se retrouve sur le prochain épisode, chers amis. Je fais ça parce que la mission en question, elle est plutôt longue, donc ça tiendra pas. Enfin, si je la mets là sur cet épisode-là, ça fera un épisode bien trop long. Donc on se donne rendez-vous sur l'épisode 8 que je vais tourner dans la foulée. Putain, 4 épisodes. J'ai tourné quand même 4 épisodes dans la foulée. Je sais pas à quoi je vais ressembler à la fin de, à la fin de cette session. Je sais pas, je pense que je vais dormir parce que bon... Pas bien, les mecs, pas bien. Bah écoutez, toujours est-il qu'on se retrouve dans l'épisode 8, chers amis. Le blabla habituel, etc. J'arrive pas à bouchonner ma putain de bouteille de merde. Le blabla habituel, etc. etc. Comme d'hab, les mecs. Hey, ciao.